finir, moi je faisais que des photos, quoi. Il n'y avait même pas de vidéo. Donc je peignais et photo, photo. Bon, enfin bref, Maurice Fleuret a écrit une lettre à Jacques Lang, il m'a téléphoné à Bastia, il me dit voilà ce que j'ai écrit, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit écoutez, Maurice, formidable, si ce film, les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas, le film ne sera jamais terminé. Et c'est là qu'on a eu une avance de la direction de la musique pour faire le son. Et avec Maurice, on s'est dit, Maurice c'était quelqu'un qui a donné l'idée de la fête de la musique planétaire. Hein. Et là, on se réveillait le matin, justement, enfin, on allait au ministère savoir si le Brésil se réveillait. C'était formidable au début. Et on a eu une subvention qui est 3 fois plus chère que le coût du film pour finir le son 10 ans après. Voilà. Et on se disait, on va faire appel à qui? Du rock, non. De musique Xenakis, on était très liés avec Yanis Xenakis, qui habitait la Corse en plus. Hein.